le droit de faire ça. Le rond-point est là, hein, mon gars. Bon, je sais qu'il m'entend pas, mais bon. C'est juste par principe. Hein. Oh la vache, il était loin. Hein. Il rentre par un sens interdit, le motard. Eh, ça fait vraiment ce que ça veut, quand même. Hein. Truc de fou. Hein. Et il ressort par un sens interdit, normal. Ah oui, bah oui, je le regardais. Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi. Bah oui, mais il faut le mettre avant, du coup, le clignotant. Du coup, j'ai pas mis le mien. Bon, il y avait personne derrière en plus. S'ils arrêtaient de coller les gens là, il n'y aurait pas de problème pour se garer. Hein. Sérieusement. Roule la balle et puis ça laisse même pas garer les voitures. Bon, elle est pas terrible l'accélération, ouais. Je m'attendais à plus de bruit que ça. Déçu. J'ai connu mieux. Alors là, bien joué. Hein. Je pensais que c'était le rond-point. Là, j'étais pas arrivé. Il est juste là, le rond-point. Là, bien joué. Couper les zébras directement. Et je sors d'un rond-point encore une fois. Comme toujours. Oh là 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 là. Voilà le passage pour piétons. Hein. Non, faut que tu le mettes avant ton clignotant. C'est mieux quand même pour prévenir. Déjà il l'a mis. Déjà il l'a mis, c'est bien. Mais trop tard. Ah, elle est moche celle-là. C'est bizarre, t'as le... Ouais, mais je sais plus c'est laquelle, cette Ferrari-là. Je
pensais que son clignotant ne fonctionnait pas. Mais en fait, c'est l'arrière qui ne fonctionne pas parce que je viens de voir le côté clignoter. C'est le passage, ok, mais c'est pas une raison pour passer à balle. C'est les voitures qui arrivent. Donc du coup, il cède le passage. Oh, je te jure, même sur les parkings, l'autre il se déplace d'une place de parking pour se mettre sur celle d'à côté, juste parce qu'elle est plus proche de la porte. Truc de ouf. Bien une petite Catel. On avait une TL Savane. Elle était offerte par mon anniversaire. À mon frère et mes amis. Elle me manque un peu, hein. C'est marrant à conduire. J'ai l'impression d'être sur des coussins d'air dans ce truc. Donc la boîte de vitesse là sur le tableau de bord. Je suis pas assez ancien pour avoir connu ça à l'époque. Mais c'est marrant. Et surtout moteur increvable. Ces vélos, ils préviennent même pas qu'ils sont en train de tourner quoi. Passage piéton. Hein. Je suis même pas passé qu'elle commence déjà à marcher. Je pense qu'elle voulait rentrer par l'arrière et ressortir par de l'autre côté. Hein. Point qui coupe la ligne blanche et qui a pas de phare au passage. Ah si, ça y est, il vient de les mettre. Alors, je sais que le rond-point de Rennes il est quand même chiant à passer, mais là il n'y a pas grand monde dessus. Donc, c'est un double petit rond-point. Je comprends toujours pas le génie qui a inventé ça. Ah oui, putain, mais c'est pour vrai. Ça traverse sans rien regarder. Pourtant, mon moteur, il s'entend. Hein. Truc de fou. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais qu'est-ce que tu fais, là, sans déconner? Fais pas demi-tour ici. Totale sécurité pour faire descendre son enfant de la voiture. Là.
même pas, elles réagissent. Hein. Le passage pour piéton était bien devant. Hein. Là, quand même. Mais je crois qu'elles sont sourdes, elles ont même pas entendu le moteur.